Terre, le portrait des âmes bien-nées. Petit corps qui bouge le monde. PC Boom. Âgé d'une quarantaine d'années, le lieutenant-colonel Zungrana est diplômé du prétalien militaire du Kadiogo PMK qui forme les officiers de l'armée burkinabé. Passé par le centre d'entraînement commando de Pau, il a été commandant du secteur ouest du groupement des forces de sécurisation du Nord et a dirigé le 25e régiment parachutiste commando RPC basé à Bobo Dioulasso. Lors de la résistance contre le coup d'État perpétré par le général Gilbert Diendéré en 2015, il avait joué un rôle trouble alors que les jeunes officiers hostiles aux putschistes convergeaient vers la capitale pour les forcer à déposer les armes. Officier aguerri au combat et décrit pour son caractère trempé, Zungrana avait dirigé en 2021 la création d'une unité des forces spéciales dénommée Mamba. Jusqu'à encore récemment, il était le chef de corps du 12e régiment d'infanterie commando RIC à Ouaïgouya. Il avait été relevé de ce poste le 16 décembre par décret présidentiel, non par faute professionnelle, mais parce qu'il faisait partie d'un plan de renouvellement de hiérarchie. 12 autres chefs de corps avaient alors été remplacés. Zungrana, l'officier suspecté de préparer un coup d'État, était réputé comme un des officiers prometteurs de l'armée burkinabé. Une de ses têtes bien faites, diplômée d'un baccalauréat français option philosophie et qui, sur son temps libre, aime écrire des romans. Auteur de plusieurs ouvrages, le lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana a aussi sa propre maison d'édition et est un habitué de la Foire internationale du livre de Ouagadougou, Philou. La star comme repère, le portrait des âmes bien-nées. Petit corps qui bouge le monde. PC Boom.